Mais d'où viennent ces créatures? De Martinique ou de Guyane? La réponse semble claire. Elles auraient été importées à la Martinique par des colons. Ça remonte à ces fameux bals qu'organisait la femme de Jacques Duparquet, premier gouverneur de la Martinique. Elle organisait des bals au château Pélinel. Le château Pélinel, c'est ce qu'on appelle exactement le rhum de passe maintenant, enfin à l'épée coule en haut. Et ces bals se terminaient au petit matin. Et alors là, des invités somptueux, d'ailleurs, dont les costumes étaient symboles de richesse, synonymes de richesse, de pouvoir. Très, très, très beaux costumes. Et ils décidaient de descendre vers la place Bertin à Saint-Pierre pour pouvoir se faire voir. Parmi ces gens-là, il y avait des femmes masquées qui avaient vraiment... qui craignaient vraiment qu'on découvre soit un centime de leur identité. Donc, elles confortaient leur déguisement, se couvrant complètement, totalement, et ne laissant dehors que des yeux, etc. Leur nom proviendrait d'un autre délicieux petit crabe appelé également touloulou. Les touloulou et touloulou, c'est la même chose. Il s'agit au départ du crabe, hein. C'est parti, le mot est parti du crabe. Et effectivement, quand on regarde certaines photographies des touloulou, je ne vais pas dire qu'il y a une ressemblance avec le crabe, mais il y a tout ce côté avec ses yeux en l'air, n'est-ce pas, qu'on retrouve. La manière de danser aussi? Oui, dans la manière de danser, surtout dans la manière de danser, la manière de bouger, de s'avancer, etc. Et c'est après l'éruption de la montagne Pelée en 1902 que les touloulou se seraient installés en Guyane avec certains Martiniquais. Alors, comment danser le touloulou? Première phase, ces femmes couvertes tournoient et choisissent leur cavalier. Elle peut avancer vers le cavalier, lui demander à danser, comme s'avancer vers le cavalier et refuser la danse. Elle n'est pas obligée de danser avec le cavalier. Le rythme qu'on utilise, c'est la mazurka. La mazurka qu'on danse normalement à la Martinique, il y a le glisser piqué. Et la partie juke, la batterie ne fait plus l'arrêt de la mazurka. Donc elle tourne en cercle et c'est là que la danseuse commence à travailler le monsieur. C'est ça qu'on appelle le piqué juke. L'ordre est donné par le chanteur. Il se dit, monsieur, bloqué. Mesdames, travaillez, monsieur. Et que fait le cavalier à ce moment? Ah mais lui, il met les deux mains derrière la tête. Et il se laisse faire par la danseuse, tout en suivant les mouvements de la danseuse. Les salles sont de plus en plus pleines à la Martinique et ce sera certainement le cas ce samedi au Lamantin, mais pas comme celle de Guyane que nous voyons ici. Quant au public, il est de plus en plus jeune et des plus préoccupés par l'origine des touloulous. Il vient simplement pour le plaisir de danser et peut-être plus. Maman, quelle gâterie!